Faire le tour de la paroisse, je pensais pas que ça me prendrait plus que l'avant-midi. Peut-être qu'avec l'hiver qui s'en vient, les malades ont besoin de parler davantage. Des fois, je me demande si c'est juste pour la communion qu'ils me font venir. J'ai plutôt l'impression qu'ils se sentent seuls. Et que d'être simplement visité, ça leur rend leur solitude moins pénible à vivre. Au grand séminaire, je pensais pas que la misère sociale pouvait exister à ce point-là. Qu'elle laissait tant de gens dans le besoin. Tant qu'on aura des Duplessis pour nous gouverner, dis-toi que ces choses-là sont pas à veille de changer. On vit dans une société profondément hypocrite où chacun veut tirer la couverte de son bord. On y arrive seulement si on a le pouvoir. Comme ce sont toujours les mêmes qui le détiennent, on est loin des lendemains qui vont chanter. On devrait quand même pouvoir changer l'ordre des choses. Ça supposerait qu'on accepte d'abord de les voir en face. Après, on pourrait peut-être faire en sorte que la richesse soit mieux redistribuée. Tu parles comme un communiste. Mais s'il y a plus de liberté avec le communiste qu'avec Maurice Duplessis, il me semble qu'on n'a pas à chercher le midi à 14 heures pour se faire une raison. La mienne est peut-être utopique, mais elle propose pas d'enlever au monde ce qu'il y a pour qu'une poignée de privilégiés en jouissent. Un jour, il faudra bien choisir. Moi-même, comme peintre, il faudra bien que je choisisse. Puis toi aussi, t'auras pas le choix. À un moment donné, ou bien on se retrouve du bord de la beauté, ou bien on se retrouve du bord de ceux qui font tout pour empêcher qu'elle arrive. J'arrive au bon moment, Sculvin. Pour me voir partir, vous pouvez pas mieux tomber. Quand la couleur s'embrouille d'elle-même au bout du pinceau, ça veut dire que l'inspiration est devenue du lait caillé. C'est peut-être aussi qu'on peut avoir faim. Vous avez rien mangé depuis le matin? Vous non plus, Edmond. Vous avez rien mangé depuis le matin. Alors, asseyez-vous tranquillement là avec Edmond et faites honneur à ce que je vous ai préparé. J'ai besoin de prendre l'air. Oh, c'est une trotte d'ici à chez Mireille Penton. Et qui vous dit que c'est là que je m'en vais? Même si ça fait longtemps. J'ai déjà été jeune, moi aussi. Mireille m'a invité, moi aussi. Je lui ai dit que j'irais si tu y allais. Mais vous pouvez pas quitter le presbytère, Edmond, tant qu'Audinon sera pas de retour de Montréal. Alors, allez vous asseoir et collationnez bien tranquillement. Prenez un fruit, au moins. Oh, j'ai pas faim. Tout ce que je veux, c'est d'aller marcher un peu, puis de flairer le vent. Merci quand même. Le chanoine Caron m'avait pas dit qu'il devait aller à Montréal aujourd'hui. Ça s'est décidé après que vous soyez parti porter le saint viatique de la paroisse. Oh! Même si c'est un peu moderne à mon goût, je trouve que ça commence à avoir de l'allure. Tout compte fait, je pense que je vais être obligée de donner raison à Odilon. Qu'est-ce que le chanoine Caron est allé faire à Montréal? Vous lui demanderez à son retour. J'en sais rien moi-même. Oh! Mère Jésus-Marie a téléphoné pendant que vous faisiez la visite de paroisse. Vous et Odilon, elle vous attend ce soir au monastère. Mais on a pourtant rendez-vous que demain avec Mère Jésus-Marie. Les mères supérieures, parfois, sont comme les chanoines, faut croire. Ça leur arrive de changer d'idée sans qu'on sache pourquoi. Comme ça doit être pour Britannicus que Mère Jésus-Marie veut nous voir, le chanoine Caron et moi. Faudrait peut-être mieux que je l'ai lu avant. Mike avait pas besoin de tout démolir, mais avec lui, c'est jamais beurré trop épais. Il me semble que Harry devait lui dire quoi faire. D'ailleurs, Harry devrait être ici actuellement. C'est à lui de superviser ces choses-là. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'Harry est retourné chez Mme Félix. Apparence qu'on peut le rejoindre là si on a besoin de lui. Ça m'étonne quand même de Harry. C'est pas son genre de laisser les affaires en plan. Il y a sûrement eu un imprévu quelque part. Non, mais pas ici, en tout cas. Tout s'est déroulé comme ça a été machiné. Un peu mieux même, étant donné la photo prise par Tom Brosseau. Ça change quelque chose pour la suite des opérations? Une seule photo peut pas venir à bout d'Urbain Blondeau. Il m'en faut d'autres, autrement plus compromettantes. Vous allez les avoir, craignez pas. Puis rien de ce qui se passe ici peut m'échapper. Durant la guerre, j'ai pas été d'un service secret pour rien. Je te fais confiance là-dessus. Le retour de nos deux oiseaux, c'est prévu pour quand? On va te faire signe. J'imagine toutefois qu'on sera pas rendu tard dans la soirée quand Axel va voir son congé de l'hôpital. Ça me laisse en masse le temps de finaliser mon système. Mmh. Si vous voulez pas que votre conversation soit enregistrée, il faudrait mieux téléphoner d'ailleurs.
Merci de me prévenir. Il n'y a pas de quoi. Avec un engin pareil, même la nuit devient aussi claire que ce qu'on peut voir dans le plein de jour. Allez chez les Ursulines, le ventre clan, je vous le conseille pas, Edmond. Venez manger. C'est pas seulement moi que Mère Jésus-de-Marie veut voir, mais Chanoine Caron aussi. Et puis, vous me l'avez dit vous-même, il faut toujours qu'il y ait un prêtre au presbytère. Que je sache, la salle à manger fait toujours partie du presbytère. Mais qu'est-ce qui vous tracasse? Je me demande seulement ce que peut retenir le Chanoine Caron si longtemps à Montréal. Que voulez-vous que ce soit? Sinon, la peinture et le théâtre. Vous finirez par vous y habituer, Edmond. Pareil à moi. Regarde dans la voiture, tu vas comprendre. 100 $, Olivier. Grouille. Je vais ramener une petite grouille, oui. À crapaud, dis-là. Je vais te ramener maintenant, Vatican. Là, je fais le tigre de roue. Olivier, monte dans ta machine, puis retourne 3 ans dans ton pays de Maguire. Je pense que j'en ai perdu quelques bouts en chemin. Même ma camionnette. Je l'ai perdu quelque part en chemin. Je la vois pas de nulle part dans les environs. Comment je vais faire pour rentrer d'abord? Si je vous ai conduit jusqu'ici, je peux bien continuer avec M. Panto. Edmond va s'en charger. Je voudrais bien, sauf que Mère Jésus-Marie a demandé à nous voir chez les Ursulines. Bon, je m'excuse de vous causer encore ce désagrément. Oh, je vous l'ai dit, j'ai tout mon journée devant moi. Allons téléphoner à Mère Jésus-Marie pour le cas qu'on pourrait remettre notre rendez-vous demain. Venez. Vous m'indiquez le chemin et je fais le reste. Je pensais en avoir perdu quelques bouts, mais c'est tout le puzzle qui s'est démanché en même temps. Petite boisson. J'ai pensé que ce serait plus sympathique comme ça. Remarque que j'ai d'abord imaginé tout autre chose. Bien des choses, en fait, étant donné que j'ai eu toute la journée pour y penser. C'est-à-dire? C'est venu d'une phrase d'André Breton que j'ai lue ce matin. C'est-à-dire encore? Tu savais qu'il a écrit que la beauté serait convulsive ou qu'elle ne serait pas. Il y a déjà un bon moment que je n'ai pas touché à ce que peut bien écrire André Breton. Tout grand poète surréaliste qu'il soit, c'est un Français qui n'a pas compris grand-chose à ce que nous autres, on peut bien représenter. Il nous considère comme des provinciaux. Durant la guerre, il s'est réfugié à New York, à Montréal, puis à Gaspé parce qu'il ne voulait pas se retrouver dans l'armée française à combattre contre les nazis. Moi, j'ai pas beaucoup de respect pour ce genre de poète dont l'engagement va pas plus loin que ce qu'ils peuvent tirer pour eux-mêmes des mots qui font venir. André Breton écrit quand même de belles choses. Ouais, Duplessis aussi fait des beaux discours. Mais c'est pas ça qui change vraiment le monde dans lequel on vit, ben au contraire. On vient de sortir d'une guerre qui a fait des millions de victimes. Si elle pouvait parler, je me doute bien de ce qu'elle dirait de cette beauté convulsive si chère à André Breton. La beauté est tout simplement. Ou bien elle n'est pas tout simplement aussi. Puis quand on y met un adjectif comme convulsive, ça signifie qu'on n'a pas compris grand-chose à ce qu'elle doit être. Pour moi, là, c'est à mettre dans le même sac que ces curés qui se demandent combien d'anges on peut asseoir sur une tête d'épingle. Pendant qu'on s'interroge là-dessus, les anges meurent sordidement dans les fours crématoires.
Quand bien même tu voudrais changer ça, tu peux rien y faire. C'est pas parce que j'ai pas encore trouvé le moyen de changer quoi que ce soit que je peux rien y faire. J'ai au moins appris ça depuis que je vis ici à Vatican. Quand je suis sorti de l'école du meuble, je pensais qu'on pouvait atteindre la beauté juste par soi-même. Seulement par toute l'énergie qu'on peut y mettre. Je me rendais même pas compte que si je suis devenu peintre, c'est par réaction contre ma famille. Pourquoi tu souris? Excuse-moi. C'est juste que tu parles de ta famille, puis que j'avais comme l'impression que t'en avais pas. Je suis né en plein cœur de Montréal, dans le faubourg Amelas. Mon père était serfrein pour le Cipillard, comme mon grand-père avant lui. Mon grand-père s'appelait Gino. Quand il s'est retrouvé à Montréal, je pense qu'il avait même pas 15 ans. Il s'est enfui de son petit village des Abruzzes, juste parce qu'il avait le goût de l'aventure. Ben, il s'imaginait que Montréal, c'était l'Amérique. Et comme d'autres se sont imaginés que New York, c'était l'Amérique. Mais c'était seulement un Italien qui s'est retrouvé dans le faubourg Amelas, avec juste des voies ferrées partout autour de lui. Quand il montait dans son train pour s'en aller je sais pas où, là, j'imagine qu'il pensait encore que l'aventure y arriverait. Mon père a fait pareil à lui. Il épousait une fille pauvre de Montréal. Il a eu une dizaine d'enfants. Puis il est mort quelque part là, sur la voie ferrée entre Montréal et Toronto. J'avais 6 frères. Puis on n'était jamais d'accord sur rien. Puis comme ils étaient tous plus vieux que moi, je me faisais toujours ramasser, peu importe ce que je pouvais bien faire. Quand j'étais petit, je rêvais du jour où mes frères feraient exactement comme mon père. Puis travailleraient enfin pour le Cipillard. Je serais resté tout seul à la maison. Puis j'aurais pu dessiner tranquillement tout ce qui me passait par la tête. Sans personne pour déchirer ce que je dessinais, puis avant même que je l'ai terminé. Ta mère dans tout ça? Sa famille l'avait renié parce qu'elle avait épousé un Italien. Mais elle a fait ce qu'elle a pu. Comme aujourd'hui, j'imagine qu'elle fait encore ce qu'elle peut. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai coupé tous les ponts avec ma famille. Mais j'aime autant pas en parler. Hey, si on revenait plutôt à cette beauté convulsive qui t'a tant frappé ce matin chez André Loiseau. Hmm? Je nous apporte d'abord quelque chose à manger. On était trop bien pour que ça continue de même. C'est sûrement pas. Avec Harry Smith? J'aime autant qu'il me voit pas ici. Pourquoi? Je t'expliquerai. Va les rejoindre dehors, puis arrange-toi pour que Harry Smith entre pas ici. Ah! C'est que toi! Oh, je crois que votre père a du mal à digérer. Venez, je vous aide à entrer à la maison. Et ça se calme de le gorgoton, là. Un bon café, je vais être comme un œuf. On va boire ça ensemble. Ah, il faut absolument que je retourne la voiture au Chamonix-Caron et que je rentre à Montréal. Enchanté d'avoir fait votre connaissance, mademoiselle. Prenez bien soin de vous, Olivier. Tu m'as fait peur. Excuse-moi, c'était pas mon intention. Quelque chose qui va pas? Harry est allé à Trois-Rivières. Monsieur, Lenoir m'a appris ça quand je suis arrivé. Pareil que le chanoine Caron avait désespérément besoin d'un chauffeur. Je paie pas Harry Smith pour qu'il serve de chauffeur à qui que ce soit. Mais Harry connaît ton amitié pour le chanoine Caron. C'est sans doute pour ça qu'il a fait boire son chauffeur au point de l'enivrer. Qu'est-ce que tu me racontes? Ce que je sais de source sûre, rien de plus. Je dirais que tu soupçonnes Harry de je sais pas trop quoi. Toute sa journée devait être prise à cause du piège que vous tendez à l'urbain. Ça signifie que Harry avait pas le temps d'aller à Trois-Rivières. Pour qu'il s'y rende, il devait avoir une raison. Ben, moins que ce soit par rapport à Edmond. Mais si t'as vu le chanoine Caron, tu devrais être en mesure de me renseigner là-dessus. Edmond a pas d'ennui, toujours? Non, Edmond a pas d'ennui.
Un délit? Quelque chose te tourmente. Si tu me disais ce que c'est. Hein? Peut-être que je vieillis, tout simplement. T'as jamais été aussi belle que tu l'es maintenant. On peut paraître beau de l'extérieur et vieillir par en dedans et sans même s'en rendre compte. Quand une femme dit ça, c'est généralement parce qu'elle est fatiguée. Je suis pas fatiguée. Peut-être. Mais j'aime pas ça de voir la main. On va faire monter un petit quelque chose à manger. On va écouter de la musique. On va passer toute la soirée ensemble. T'es d'accord? Allô? Un instant. C'est pour toi. Oui, j'écoute. J'avais demandé qu'on la garde à l'hôpital jusqu'à la fin de la soirée, si possible. OK, je m'arrange avec ça, OK? Le petit quelque chose à manger, il va falloir attendre un peu. Arrêt étant pas là pour superviser la sortie d'Axel de l'hôpital, c'est à moi de le faire. Tu comprends? Oui, je comprends. Mais dès que je me rends compte que tout va comme ça doit aller, je reviens aussitôt. Tu vas pouvoir attendre jusque-là? Je vais attendre jusque-là. Edmond, il faut partir. Alors descendez tout de suite, voyez-vous? Si le chauffeur qui vous a ramené de Montréal survient avant votre retour, qu'est-ce que je fais? Vous lui donnez à manger s'il a faim. Sinon, vous lui faites la conversation. Ne serait-ce que pour le remercier, j'aimerais bien le revoir avant qu'il ne s'en retourne à Montréal. Moi aussi, d'ailleurs. Mais dites-moi au moins si je peux avoir confiance en lui. J'aime pas rester toute seule au presbytère avec des étrangers le soir. Harry a presque été un père pour moi. Vous avez donc aucune crainte à avoir avec lui. Votre carrosse qui arrive. Oui, ça vaut mieux. Mère Jésus-Marie n'aime pas qu'on arrive en retard à ses rendez-vous. Votre chapeau, Edmond. N'empêche que j'aime pas rester toute seule au presbytère le soir quand des étrangers doivent y venir. Ben, je comprends rien ton discours. Ben, je peux pas être plus clair pourtant. Dans cette espèce de cabaret où c'est que j'attendais qu'Odilon revienne. Je sais pas quelle sorte de maudite boisson ils ont mis dans mon verre, mais ça tapait fort en baptême dans la boîte à pouf. Pour moi, ils m'ont servi de la bagosse, c'est comme ordinaire. Mais j'en tremblote encore dans toute ma corporance. Pourquoi tu vas pas te coucher? Ouais, ce serait aussi bien que je fasse ça. Parce que là, même si j'essaye de passer à droite, ça fait juste se refouler à gauche. Oh, hey, c'est mouvant, mais je pense que je vais être bon pour me rendre jusqu'à ma paillasse. Bonne soirée, les jeunesses. C'est ça. Que paye attendu le chanoine Caron dans un cabaret, me semble que ça n'a pas d'allure. Le cabaret dont ton père a parlé s'appelle chez Madame Félix. Je connais bien la place parce qu'avant de me retrouver ici à Batiscan, j'habitais juste en face de ce cabaret-là. Je dis cabaret, mais en fait, il s'agit bien plus d'un club privé où c'est que le grand monde se retrouve pour prendre leur plaisir. Tu veux dire que c'est un bordel? Un bordel, puis une des meilleures salles de jeu qu'on peut trouver à Montréal. Qu'est-ce que le chanoine Caron peut bien faire dans un endroit pareil? J'en sais rien. Je pensais qu'il s'intéressait seulement au théâtre puis à la peinture. Mais peut-être qu'il y a d'autres intérêts. Sinon, je vois mal pourquoi Harry Smith serait venu ici jusqu'à Batiscan. Chez Madame Félix, c'est lui le véritable boss. Il a ses entrées partout, aussi bien en police que dans PEG. Tu connais du drôle de monde, je trouve. Connaître, c'est un bien grand mot. En fait, Harry Smith m'a seulement acheté quelques-unes des toiles que j'ai faites du temps que j'habitais en face de chez Madame Félix. Puis comme c'est un monde que je veux oublier, ben, c'est pour ça que je n'ai pas à le voir.
Ça a un rapport avec la jeune fille que t'as aimée? Pourquoi ça n'aurait un? C'est ce que je sens. Je me trompe sans doute. Tu te trompes. Roxane n'avait rien à voir avec ce monde-là. Ah, elle s'appelait Roxane. C'est un beau nom, je trouve. Excuse-moi. Je sais bien que tu veux pas en parler, puis je respecte ça. Si on mangeait plutôt. Si je veux travailler toute la nuit à mon chemin de croix, ben, ça serait peut-être aussi bien. Là. Si vous en voulez encore, gênez-vous pas. Vous avez qu'à me le dire. Je vous remercie. Ça va très bien comme ça. Et puis, il faut vraiment que je retourne à Montréal maintenant. Oh, mais le chanoine Caron m'a bien dit qu'il tenait à vous revoir avant que vous partiez. Oh, il n'y en a pas pour tellement longtemps chez les Ursulines. Je veux bien attendre encore un peu, mais à une condition. Oh. Que vous vous asseyez avec moi. Ah. Dans ce cas-là, il va falloir passer au petit salon. Parce que dans le presbytère de Batiscan, Mme Curie n'est pas autorisée à s'asseoir à la table de la salle à manger. Mais dans le petit salon, c'est possible. Ce sera encore tout simplement plus sympathique. Après vous, Mme Curie. Vous avez oublié le café, je veux dire pour vous. À mon âge, on boit plus de café le soir. On se contente d'en flairer l'arôme. Madame Curie, si vous voulez bien, j'aimerais que vous me parliez du chanoine Caron. Je voudrais mieux le connaître et je vais vous avouer que cet homme-là me fascine. Est-ce qu'il a toujours été comme ça? Pour ses débuts, je pourrais pas vous dire vraiment. Étant donné que, à ce moment-là, moi, j'étais servante au presbytère de Trois-Pistoles. Je me suis retrouvée ici à la mort de la mère d'Odilon. Et comme Odilon venait régulièrement prendre ses vacances à Trois-Pistoles, c'est comme ça que je l'ai connu. Et avec le temps, bien, on est devenus un peu comme frères et sœurs. Et quand il m'a demandé de venir remplacer sa pauvre mère décédée, j'ai pas été capable de lui dire non. Vous devez avoir beaucoup d'anecdotes à raconter à son sujet. Oh, c'est à sa mère que vous auriez dû demander ça. Malheureusement, elle est morte et c'est donc impossible de s'adresser à elle. C'est pour ça que je me tourne vers vous. Ouais. Le plus simple, ce serait que je vous fasse voir le scrapbook que sa mère a colligé sur lui. Un scrapbook. Ça doit être très intéressant. Est-ce que je peux le voir vraiment? Oui, il doit être encore dans la grande armoire, parce que je pense pas que, depuis la mort de la mère d'Odilon, quelqu'un l'ait seulement regardé. Ce serait un grand honneur pour moi d'y jeter un coup d'œil. Je vais vérifier s'il est encore là. Ah, c'est bien là, comme je pensais. Tenez. Vous pouvez le regarder. Et puis, si ça vous ennuie, vous aurez qu'à me le dire. Je suis certain que ce ne sera pas le cas. Absolument certain. Pouvoir mettre le grappin sur les responsables de ce qui s'est passé ici, je me fie pas aux enquêteurs. Si la police qui devait surveiller la maison a rien vu, je me demande bien ce que des enquêteurs qui restent bien tranquilles depuis trop longtemps dans leur bureau vont pouvoir trouver. Attends au moins les premiers rapports. Je sais déjà de quoi ça va parler, c'est-à-dire de rien. Ça va être la même chose que pour la descente dans le garage désaffecté. On va se retrouver devant une cour des miracles, devant rien d'autre. Pourtant, les vrais boss de la pègre, on les connaît tous. Toi aussi bien que moi. Le problème, vois-tu, c'est que c'est pas suffisant de bien les connaître. Faut être capable de les atteindre. Pour les atteindre, ça demande bien davantage que de la force et de la rage. Ça demande de la patience. Et pendant ce temps-là, ce sont les innocents qui en souffrent. Des innocents pour en souffrir, il va toujours y en avoir. Oui, mais ma job à moi, c'est de faire en sorte de mettre fin à ça. Axel Adams, bonsoir. Je vais voir. C'est pour vous, Urbain, de la part de Tom Brosseau. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là, encore? Merci. Tom, c'est pas le moment de me déranger pour des niaiseries. C'est quoi ton problème? Quand ça? Et où ça? Correct, Tom. Pour y voir, je vais y voir.
Pas un autre pépin, toujours. Imagine-toi donc que Fleurange et Cornelius se préparent à donner une vraie conférence de presse pour annoncer la création de la Ligue de surveillance de la moralité. J'ai juste le temps de m'y rendre pour empêcher ça. Je comprends que tu dois m'empêcher d'en faire pareil. Je vais rester avec Axel tant que tu ne seras pas revenu. Comme si j'avais besoin d'une absurdité comme celle-là aujourd'hui. Vous allez tous le rendre fou. Son arrivée là dans le rivage, c'est sûrement pas moi qui s'en plaindrai. Toi? Parce qu'on me paye pour ce qu'on me demande de faire, j'ai pas de jugement à porter là-dessus. On s'entendrait mal si les choses passent autrement. Faut que tu me racontes tout ce qui s'est passé pendant que t'étais à l'hôpital avec Urbain. Et pas de cachette avec moi, par exemple. Ma vie est un grand livre ouvert. Moi, je m'intéresse seulement aux notes en bas de page. C'est quoi lo que vuole dire? C'est quoi lo que vuole dire? Bene. Molto bene. Benissimo. Mademoiselle, je vous en prie, mademoiselle. Ah ouais, passe-moi le don. J'ai pas la main. Mais juste 5 minutes, ça te donnerait quoi? C'est quoi ton... Ah ben, bravo. Ouais, tu l'as prise de ta copie. Ben voyons. Encore un peu de patience. Est-ce clair? Vous voyez bien qu'on a encore besoin de vous. Pour les raisons que je vous ai dites, il faut vraiment que je rentre à Batisco. Et puis, il vaut mieux qu'Edmond apprenne à se débrouiller sans moi. Si on a la confiance en l'élève, ce n'est pas pour une autre raison. Autrement dit, la balle est dans son camp ce soir. Vous ne changerez jamais, Odilon. Pourtant, je ne fais que ça. Comme tout le monde, ça doit sûrement avoir un rapport quelconque avec ce qu'on appelle la vie. Nous allons maintenant commencer les auditions. Le chanoine Caron ayant dû retourner à Batistan, c'est moi qui vais vous donner la réplique. Si monsieur le vicaire Brisebois d'accord, bien sûr. Le chanoine Caron est parti. Sans moi? Sans vous. Mais est-ce qu'on peut commencer maintenant? Je sais pas comment ça doit se passer. Si vous nous disiez d'abord ce qu'en tant que metteur en scène, vous pensez de Britannicus. Et debout, ça aurait plus de poids, croyez-vous pas? Et vous, mademoiselle, qu'en pensez-vous? Comment doit-on accueillir le metteur en scène de Britannicus? Bravo! Bravo! Ici, peut-être? Oui, c'est juste ici, là. Je pense que vous pouvez les installer, oui. C'est bien la première fois que je viens à une conférence de presse dans une mercerie. Avec Cornelius Papenaud, t'es pas au bout de ta peine? Quand tu l'auras vu comme moi présider la fête Dieu avec les zouaves, quand tu l'auras entendu crier son « Jésus, hostie! » Tu vas comprendre bien les choses. Évidemment, toi, tu travailles pour le devoir. Le devoir est bien que trop religieux pour savoir ce qui fait vraiment le prix de la religion. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est du pâté chinois, ce que tu me racontes. Me semble que ce que je t'ai dit un matin était clair. C'est plutôt ce qu'on a dit nous ce matin qui était clair. Tu peux pas faire ça, Fleurange. Urbain, j'ai pris ma décision. Je peux plus en changer maintenant. T'as rendu compte de ce que ça pourrait signifier pour toi et pour moi? Pour en juger, attends au moins de voir ce que Cornelius et moi on va dire. Je veux pas attendre. Ce que je veux, c'est que t'oublies tout ça et que tu t'en viennes avec moi. Monsieur Blondeau, j'aurais une question à vous poser. Une minute. Tu t'en viens avec moi ou pas? Urbain, si tu veux rester à la conférence de presse, t'es le bienvenu. Sinon, tu sais ce qu'il te reste à faire.
C'est bien tant pis, Florange. Couper le cordon, ça fait toujours mal. Mais à cette heure que c'est fait, pensons ce qui nous attend. Devant nous autres, pas derrière. Alors, comme a déjà dit Victor Hugo, on n'est peut-être pas nombreux, mais le choix fait la fête. Merci d'être venu célébrer avec Florange Blondeau et moi un événement historique pour Montréal. C'est-à-dire... Non, c'est à toi de l'annoncer. Merci. Je vous annonce officiellement... que c'est ce soir qu'est créée la Ligue de surveillance de la moralité, ligue dont moi, Florange Blondeau, suis la présidente. Je te l'avais dit avec Cornelius Patneau, on n'est jamais et au maintenant, bout de sa je vais surprise. Vous dire pourquoi la pour ligue faire de une belle jambe à Montréal, comme au devoir, ça va en faire toute Montréal, une, crois-moi. Dans notre Montréal que les forces de la nuit oppriment. On ne dirait pas que c'est un scrapbook que vous avez sur les genoux. À vous voir, regardez ça, on penserait plutôt que c'est la Bible. En quelque sorte, il s'agit bien de la Bible. J'y apprends beaucoup de choses sur le chanoine Caron. Pas mal, toujours. Oh, bien au contraire. Le chanoine Caron est un être exceptionnel. Mais j'ignorais qu'il avait été aumônier à l'Hôtel Dieu et aumônier aussi à l'orphelinat de Montréal. Oh, comme bien d'autres prêtres. Peut-être, mais c'est à une époque qui m'intéresse particulièrement. Comment se fait-il que vous ayez ça entre les mains? Madame Curie a eu l'obligeance de bien vouloir me le montrer. Ça a été des moments très intéressants pour moi. Je peux savoir pour quelle raison? Je vous connais mieux maintenant. Si nous allions parler de tout cela dans mon bureau... Je voudrais bien, mais quoi qu'il faut que je rentre à Montréal maintenant? Au point où nous en sommes, ce n'est pas 15 minutes de plus ou de moins qui vont faire une grande différence. Venez, Monsieur Smith. Enchanté d'avoir fait votre connaissance, Madame Curie. Madame Ayer, Monsieur Smith. Madame Ayer. Le coupable Néron fuit en vain ma colère. Tôt ou tard, il faudra qu'il entende sa mère. J'ai serré tour à tour la force et la douceur, où moi-même, avec moi, conduisant votre sœur, j'ai ressemé partout ma crainte et ses alarmes, et rangé tous les cœurs du parti de ses larmes. Adieu! J'assiégerai Néron de toutes parts! Roxane, je trouve que vous déclamez fort bien. L'abbé Brisebois a eu raison de vous confier le rôle d'Agrippine. C'est pas Agrippine que je veux jouer. Cette vieille chipie-là, ça me dit rien. Mais Agrippine n'est pas une vieille chipie, comme vous dites. Elle est d'abord la mère de Néron, c'est-à-dire l'impératrice. Elle craint surtout le pouvoir que Néron voudrait lui enlever, tout comme Britannicus, d'ailleurs. Agrippine est donc le pivot de la pièce de Racine. Ça me dit rien pareil, ce rôle-là. Moi, je veux jouer Néron. Néron? Et on peut savoir pourquoi? Parce que c'est le seul qui dit vraiment ce qu'il pense dans la pièce. Puis c'est le seul aussi qui va jusqu'au bout de ses idées. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais Néron est un être profondément pervers. Il n'y aura aucun remords quand il fera assassiner sa propre mère, de même que Britannicus, dont il feint d'être l'ami. Britannicus, c'est un lâche, un peureux, une lavette. Je comprends que Néron soit débarrassé de lui, puis qu'un soldat ait enfoncé son épée dans le ventre d'Agrippine. Les deux méritent encore bien pire. C'est pourtant Agrippine que vous allez jouer. Je me ferai pas tuer par Néron, certain. Il y a bien assez de mon père qui a essayé de faire ça avec moi. Nous reprendrons tout cela demain. Vous pouvez retourner dans vos chambres. Roxane a beaucoup souffert à cause de son père. Je vous en parlerai tantôt dans mon bureau. Je vais d'abord aller dire deux mots à Roxane. Je suis l'abbé.
confesser. Mère Jésus-Marie est partie pour aller vous voir dans votre chambre. Il vaudrait mieux que vous y alliez. J'ai commis un énorme péché d'orgueil. Il faut que je me confesse. Je me sens si mal propre maintenant. Non, non. Je peux vous confesser ici. Relevez-vous. Je veux pas mourir. Je veux pas qu'il m'arrive ce qui est arrivé à Néron. Je veux pas me suicider. Dieu vous a déjà pardonné. Dieu vous pardonnera toujours. Monsieur Richard Wancaron, tout ce qui m'importe, c'est de remplir le contrat qui est le mien et d'assurer à Madame Félix une protection qui soit sans faille. Et en consultant le scrapbook de votre mère... Vous avez appris que Madame Félix s'est retrouvée à l'Hôtel Dieu après qu'un maniaque ait voulu la tuer. Était-ce bien un maniaque? Je ne peux pas vous répondre là-dessus. La police n'ayant jamais retrouvé l'agresseur de Madame Félix. Dans le scrapbook, il y a deux cartes postales que Madame Félix vous a envoyées de Sainte-Semer. Après sa sortie de l'hôpital, c'est là qu'elle est allée pour sa convalescence. 4 mois. C'est une longue convalescence. Et dans la deuxième carte postale, selon vous, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Quand elle vous a écrit « C'est arrivé, enfin, je vais en faire quoi maintenant ?» Je l'ignore. Un mois après avoir reçu cette carte postale, vous vous êtes retrouvé aumônier à l'orphelinat de Montréal. Vous avez alors envoyé une lettre à votre mère en lui disant que tout était arrangé pour Odélie Bélanger, je veux dire, Madame Félix. À quoi faisiez-vous allusion? Après quoi courez-vous, exactement? Comme je vous l'ai dit, Madame Félix paraît très inquiète ces temps-ci. Et je crois que la cause de son inquiétude remonte assez loin dans son passé. Ce n'est pas le passé qui préoccupe Madame Félix. Le passé, elle l'a vécu et assumé. Et personne n'a le droit de remonter dedans. Je ne suis pas contre votre idée, mais si on en revient au présent, vous pouvez en dire quoi? Le présent, pour Madame Félix, c'est son fils adoptif Edmond qui est devenu prêtre. Et parce qu'il est devenu prêtre, elle ne peut plus continuer à vivre comme elle l'a fait depuis tant d'années, en dirigeant une maison de débauche. Sinon, Edmond ne pourra qu'en souffrir, tôt ou tard. Vous comprenez? Je comprends. Vous direz à Edmond que je ne pouvais pas rester plus longtemps. Je vais le lui dire. Pour le reste, je compte sur vous. Ma discrétion sera totale. Je vous en sers un autre? Je devrais dire non, mais ce que vient de faire Florence m'a tellement mis hors de moi que pour une fois, j'en ai comme besoin. Je croyais qu'entre votre femme et vous, c'était l'harmonie totale. Ça a toujours été le cas. Du moins jusqu'à ce que Cornelius Patnaud lui mette dans la tête l'idée de cette saprée ligue de la moralité. Quand Florence a voulu faire du bénévolat à l'hôpital Sainte-Justine, j'ai été le premier à l'encourager. Je trouve ça normal qu'une femme se dépense pour la communauté et qu'elle veuille faire sa part pour soulager la misère humaine. Là où je suis pas d'accord, c'est lorsque ça risque de mettre en cause ce que moi-même je fais. Qu'est-ce que vous pouvez bien y faire maintenant? Maintenant que la conférence de presse a eu lieu, votre femme ne peut plus revenir en arrière. Est-ce que ça risque vraiment de changer les rapports entre elle et vous? Des fois, je me demande si entre Florange et moi, il y a eu ce qu'on peut appeler de véritables rapports. On n'a peut-être fait que vivre l'un à côté de l'autre, comme ça arrive à la plupart du monde qui se marie trop jeune pour savoir ce qu'il fait vraiment. Si je comprends bien, ça n'a jamais été la grande passion entre vous deux. Ça aurait pu être le cas. En tout cas, en ce qui me concernait, moi. J'ai toujours pensé que c'est la passion qui doit conditionner tout le reste. Florange n'est pas tout à fait de ce bord-là des choses. Quand on s'est mariés, elle ne savait rien, je lui ai tout appris. Mais elle n'a jamais été très portée sur la chose, surtout depuis la naissance de notre fille. Et vous êtes quand même restés ensemble? Bon.
On passe son temps à faire des compromis. Les compromis, c'est pourtant pas votre genre. Vous avez jamais envisagé de faire votre vie autrement? Oui. Ça m'est arrivé d'y penser. Et quand on fait un métier comme celui que je fais, qui vous met chaque jour face à l'opinion publique, c'est préférable de tourner certains coins de loin. La vie est courte, pourtant. Se priver de ses plaisirs, j'ai toujours trouvé ça aberrant. On peut continuer de jaser en prenant un autre verre. On peut aussi aller quelque part. D'habitude, quand je file comme je file, je monte dans ma voiture et je me promène dans Montréal. Je faisais déjà ça quand j'étais étudiant. J'aime bien ça, moi aussi, voir Montréal la nuit. Vaut mieux que je fasse ça tout seul. Parce que vous mélangez jamais les affaires avec le reste, je sais. Mais si nous allons voir Montréal ensemble, est-ce qu'on pourrait pas se mettre d'accord sur le fait que c'est strictement par affaire? Après ce qui est arrivé ici, ça me dit rien de rester toute seule. Pas maintenant, en tout cas. Je peux le comprendre. Vous êtes une femme de qualité, je trouve. Pour en juger, ça prend aussi un homme de qualité. J'avais peur que vous ne sortiez plus votre bureau. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais inquiet. Il ne faut jamais s'inquiéter pour rien. L'inquiétude n'appartient jamais qu'à soi, pas aux autres. Peut-être, mais j'étais inquiet quand même. Vous n'êtes pas là pour ça. Je sais, madame. Aussi vais-je vous dire que la voiture est prête et que nous pouvons y aller. Il vaudrait peut-être mieux que je ne sorte pas ce soir. Ça va vous faire du bien. La nuit est belle et tranquille. Vous en avez besoin. De ce dont je peux avoir besoin, comment pourriez-vous en être sûre? Si moi-même, j'en suis pas certaine. Je ne voulais pas vous offusquer. Vous m'offusquez pas. Peut-être n'ai-je peur que de cette réalité qu'il y a au-delà. Et peut-être serait-il préférable que j'aille pas au-devant d'elle. La nuit est pas le contraire du jour pour rien. Le jour, c'est nous qui appréhendons les choses. La nuit, ce sont les choses qui reprennent tous leurs droits. Pourquoi dites-vous ça? Parce que le monde n'est peuplé que des choses de la nuit. Il y a de vérité que là. Ma mère le pensait, qui dormait jamais la nuit. Pourtant, elle besognait toute la journée, s'occupant seule de nous, parce que mon père était jamais là. Pourtant, elle n'arrivait pas à dormir. Elle s'assoyait au milieu de la cuisine et se berçait lentement. J'entendrais toujours le plancher qui craquait. Ça me réveillait. Et j'allais rejoindre ma mère dans la cuisine. Elle me laissait monter sur elle. Elle me catinait. Elle me chantait une berceuse pour que je m'endorme. Moi, je faisais tout pour résister au sommeil. J'aurais voulu être avec ma mère tout au long de la nuit pour que ce qui souffrait en elle cesse enfin. Mais je finissais par m'endormir. Et quand le matin venait, je me réveillais jamais ailleurs que dans mon lit. J'en avais beaucoup de chagrin. Pourquoi n'étais-je pas restée avec ma mère toute la nuit? Vous n'étiez qu'une enfant. Fallait bien que vous dormiez, vous. J'en avais quand même pas le droit. J'aurais dû pouvoir l'accompagner jusqu'au bout de la nuit. Vous exigiez trop de vous-même, comme c'est encore le cas maintenant. La nuit, ce sont les choses qui exigent, pas soi. Je sortirai pas ce soir. Remettez la voiture au garage. Je vous l'ai dit tantôt. La nuit est belle et tranquille. Vous en avez besoin. Faites seulement ce que je vous demande. Je veux bien... Seulement ce que je vous demande. Bien, madame. Tu sors? Je pensais le faire. Si t'as changé d'idée, je peux te dire que je suis le premier à en être content. J'ai eu une grosse journée et de t'en parler en prenant un bon repas, je pense que je pourrais pas demander mieux. J'ai eu une grosse journée aussi, mais d'en parler avec toi, j'aimerais mieux que ça attende un peu. On peut prendre un bon petit verre avant d'écouter de la musique, hein? J'ai pas envie ni d'un verre, ni de la musique. Quelque chose d'important est arrivé aujourd'hui? Ben non. C'est pourtant ce que je sens. Si je me trompe pas, vaudrait mieux qu'on en parle tout de suite. J'en ai pas envie, je te l'ai dit. Peut-être quand je reviendrai. Tu veux que je t'accompagne? Non, pas ce soir. Qu'est-ce qui va pas bien? Si quelque chose va pas bien, je t'en parlerai à mon retour.
Je respecte ça. Je vais t'attendre tout le temps qu'il va falloir. Merci, Vito. La nuit est belle. Essaie d'en profiter, Odélie. Essaie au moins de profiter de ça.